Salam alaikum, bonjour. On se retrouve pour une vidéo ouverture de courrier pour la vidéo du 11, pour la vidéo des envois surprises réalisés sur le groupe de Virginie. J'en ai reçu 5. Bon, certains sont ouverts, c'est normal, j'ai ouvert avant la vidéo pour que je puisse me faciliter la tâche. Donc voilà. Donc je vais commencer par l'enveloppe numéro 1. Donc ça c'est la première enveloppe que j'ai reçue. Je vais l'ouvrir. Voilà, comme je disais, le washi il est là parce que c'est ce qui tenait la fermeture. Donc cet échange me vient de Béatrice D. Donc voilà son envoi surprise avec sa jolie carte gorgeous. Voilà, qui est très jolie, j'aime beaucoup. Elle a mis un joli papier, deux jolis papiers, franchement, pour la carte. J'aime beaucoup les couleurs. Donc il y a une gorgeous papillon, papillon fait comme ça. Et deux petites gorgeous comme celle-ci qui sont très très jolies, j'aime beaucoup. Donc ça c'est son petit mot. Ensuite, elle m'a mis des scraps bidules. Donc nous allons regarder ça ensemble. Alors, elle m'a mis dedans Alors, comment ça s'ouvre son chose là? L'ouverture, elle est là. Donc, voilà, je déballe tout. Alors, elle m'a mis une jolie fleur comme ceci. D'où elle a ancré. Je pense que ça doit être du cardstock, mais qui est assez fin. Voilà, dans les tons, tons lilas, avec une petite fleur strass au milieu. Très très jolie, j'aime beaucoup. Elle m'a mis un papillon. Très joli, c'est des papillons qui viennent de chez Action. Elle m'a mis des stickers comme ça, lama, cactus, fleurs. Ça, je pense que c'est des stickers qui viennent de chez Action. Parce que j'ai les mêmes, mais avec les flammes en rose. Et c'est pratiquement presque le même fond. Elle m'a mis ceci, donc je sais pas ce que c'est exactement. Ça doit être ah, c'est sûrement pour faire des. Au début, j'ai cru que c'était des tatouages, mais non, en fait, c'est pour faire des ATC ou quelque chose comme ça. Donc, tu me rediras si tu passes par là. Donc, en fait, elle les a plastifiés. Et ça c'est le top, il va falloir que je m'achète la plastifieuse et des papiers exprès pour plastifier les créations. Elle m'a remis une autre fleur qu'elle a également ancrée. Alors je pense que, ou alors ça se peut que ce soit du, voilà, c'est déjà du papier imprimé. Voilà, donc je pense que ça se peut que ce soit du papier de chez Action, je pense. Parce que je crois reconnaître ça en fait, et je pense que ça doit être du papier de chez Action. Voilà, très jolie, j'aime beaucoup. Elle m'a mis une jolie capsule altérée sur le thème de Mini, parce que j'aime beaucoup Mini. Voilà, très jolie, j'aime beaucoup. Elle m'a mis des petits confettis comme ceci. Voilà, de chez Action également. J'aime beaucoup ces confettis, même si je ne les utilise pas beaucoup. Mais j'aime bien. Elle m'a mis pas mal de rubans. Enfin, elle m'en a mis 3 de chaque, je crois. Voilà, 3 rubans de chaque. Il y a du rose, du vert, du fuchsia.
qui est tenu par du washi tape pailleté. Donc là, il y a un autre confetti et un die cut de fleurs. Voilà. Donc voilà pour l'envoi de Béa. Donc je te remercie beaucoup pour ton envoi. Je vais tout remettre dans son enveloppe. Comme ça sera plus simple pour moi pour vous poster les photos et vous dire de qui c'est sur Facebook. Donc voilà. Donc déjà une enveloppe de fête d'ouverte. Ensuite, enveloppe numéro 2 qui me vient de Élise S. Alors, son petit mot, c'était sur un joli post-it de couleur rose avec un fond de fleurs rose. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, dedans, elle m'a mis des découpes que nous allons voir. Voilà. Alors, elle m'a mis, dans un premier temps, un bloc-notes comme ça de mini. Qui est juste magnifique, voilà, trop beau. Et c'est avec un papier blanc comme ça, mais voilà, c'est assez épais, donc voilà, il se plie pas comme un papier A4 quoi, comme un papier de 80 grammes quoi. Il est assez épais, donc je vais voir ce que je vais faire avec un joli deck de mini. Voilà. Et au niveau des découpes, on va regarder ça également ensemble. Donc je reviens pour éviter de faire trop de bruit. Donc à de suite. Excusez-moi, j'ai tout levé du trépied. C'est parce que je voulais en fait surélever le trépied. Donc, elle m'a mis des découpes de fée clochette. Elle m'en a mis plusieurs. J'aime beaucoup la fée clochette. Elle m'en a mis plusieurs. De différentes sortes, donc deux de chaque, me semble. Donc deux comme ça, et elle m'en a mis deux comme ça. Ils sont très jolies, tes découpes aux clochettes. Ensuite, au niveau des découpes mini, elle m'en a mis aussi deux de chaque. Donc voilà ce que ça donne. Et après, elle m'en a fait une noire. Donc, est-ce que c'est pour... Non, peut-être pas, je sais pas. Donc, voilà. Et une blanche. Donc, voilà pour ce qu'elle m'a envoyé. Donc, je te remercie beaucoup, ma belle. Pour ton petit échange, pour ton enveloppe surprise. Donc, je suis contente de ce que tu m'as envoyé. Le carnet, les découpes sont très très jolies, j'aime beaucoup. Après, il faut dire que moi j'aime beaucoup tout ce qui est papeterie, cahier, stylo, trousse, crayon. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer au numéro 3 qui vient de la part de Charlène. Donc son Instagram, c'est Charlène Delgado, Delgado Charlène, je crois, je sais plus. Son Facebook, c'est Chachou Scrap Planner. Et sa chaîne YouTube, je crois que c'est le même nom que son Facebook. Donc c'est la troisième enveloppe que j'ai reçue. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir.
et vous montrer tout ça. Donc voici sa carte qui est magnifique. Voilà. Donc avec son petit mot. Et elle m'a mis une ATC ici. Une ATC sur le thème tropical. Ensuite, elle m'a mis des feuilles. Voilà, elle m'en a mis deux. Sur le thème de la gourmandise. Ce papier, c'est des bananes sur un fond rose avec des pois turquoise ou vert, je sais pas. Très joli. Et c'est juste recto parce que derrière et arrière, c'est blanc. Et voilà, sur le thème, toujours sur le thème de la gourmandise avec des pastèques, des bananes, des fruits exotiques. Donc voilà. Et tout ce qui est agrumes aussi, citron. Citron vert, orange, voilà. Et elle m'a mis un petit sachet de Scrabidule, donc je vais l'ouvrir et je reviens. Alors, elle m'a mis dans ce sachet de Scrabidule une jolie découpe Hello, un dice de bordure, une découpe de bordure de chez Action. Voilà. Très joli. Ensuite, elle m'a mis des découpes ananas. Voilà. Elle m'a mis un joli porte-clés parce qu'elle sait que je suis une grande fan. Deux licornes, donc un porte-clés licorne. C'est le troisième qu'on m'offre en porte-clés licorne. Ensuite, elle m'a mis des tags. Voilà. De deux tailles différentes. Elle m'a mis une découpe ronde comme ceci. C'est avec le même papier qu'elle a utilisé pour les tags. Ensuite, elle m'a mis des découpes lama. Donc, on va regarder ensemble. Avec aussi des découpes lunettes. Bon alors pour les découpes blanches, je vous les montrerai sur l'autre côté. Ça sera plus simple pour vous, sinon vous n'allez rien voir. Donc voilà ce que ça donne. Pour les découpes lama et ensuite pour les découpes lama de couleur et là elle m'a fait un lama mais sur du papier blanc et une petite paire de lunettes. Voilà. Ensuite au niveau des découpes elle m'a également fait ce genre de découpe. Donc là elle m'a mis en forme de pochoir des découpes comme ça que je peux utiliser également en pochoir et avec la découpe du palmier. Voilà. Donc encore un joli envoi surprise. Je te remercie beaucoup ma belle. Donc si tu passes par là, je te fais de gros gros bisous.
Donc voilà pour l'envoi de Charlène. Je vais également tout remettre dans son enveloppe. Comme ça, après, je suis tranquille et je ne perds rien. Ça sera plus simple pour moi. Ensuite, nous allons passer à la quatrième enveloppe d'envoi surprise qui me vient de Florence V. Voilà, et là, comme vous pouvez apercevoir, elle a mis deux strass comme ça. Deux stickers strass, très jolis, j'aime beaucoup. Alors, elle m'a mis... Voilà, elle m'a fait une lodi d'enveloppe. C'est très joli. Alors, elle m'a mis des découpes comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est normal que c'est coupé comme ça. A priori, ça doit être normal. J'en sais rien. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès. Après, j'ai dans le même thème, enfin dans le même... Je pense que ça doit être normal parce que regardez, vous voyez, là ça fait pareil. Donc voilà, avec des papillons. Et elle m'a fait une jolie Happy Mail, comme ceci. Là, c'est fermé, il n'y a rien, c'était pas ouvert. Quand je l'ai ouvert... Tout à l'heure, avant de vous ouvrir, de vous montrer, j'ai regardé vite fait et c'était fermé. Donc voilà. Donc c'est sur mes thèmes licorne, sur le thème licorne. Donc ça c'est ça, son petit mot derrière. Donc voilà sur le thème licorne. J'aime beaucoup. Franchement, ça elle est très jolie sa carte. Il y a deux pochettes comme ceci. En plus, le papier qu'elle a utilisé, franchement, il est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, je vais regarder avec vous ce qu'elle a mis dedans. Donc, c'est parti. Donc elle m'a mis... Ah d'accord, elle m'a fait ça sur du liège, d'accord. Elle m'a fait des découpes comme ça sur du liège. Alors je ne sais pas si c'est exprès. C'est sûrement des stickers. Elle a sûrement voulu me faire des stickers, regardez. Voilà, elle a fait ça sur le papier, sur le rouleau de liège que Action vendait à une époque. Voilà. Ça fait très joli comme ça. Voilà, il y en a trois. Donc je te remercie beaucoup. Là, les stickers, je pense que je vais les récupérer. Les pochettes, je vais les garder. Ça pourra toujours me servir pour des envois. Donc, la deuxième enveloppe. Elle m'a refait des découpes licorne. Elle m'en a fait 4 de celles-ci. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite...
Elle m'a mis des tamponnages cactus. Des tamponnages licorne. Je te remercie pour ces tamponnages. J'ai la planche de tampons, mais c'est vrai que je ne pense pas forcément à l'utiliser. Et c'était un cadeau de mon amie Marilène. Son Instagram, c'est Mailou & Co. Son Facebook Scrap, c'est Marilène Mailou & Co. Et elle a sa page Facebook, c'est Mailou & Co. Donc là, il y a des cactus. C'est pratiquement presque les mêmes que sur ceux-là. Encore un grand cactus. J'aime bien les cactus. Un autre pot de cactus. Des cactus comme ça. Et ceux-là. Donc voilà pour tout ce qui est tamponnage. Ensuite, à l'intérieur, elle m'a mis tout ça. Alors, elle m'a mis du papier, vous savez, des blocs de luxe paper craft. Elle m'a fait ça en base de carte. Donc, voilà, je rajouterai des petits. Je vais les laisser comme ça. Et ça me fera déjà une première base de carte que je pourrai utiliser pour envoyer, que je rajouterai des petits trucs. Voilà. Et là, pareil, elle m'a fait le même système en fait. Là, après, je rajouterai quelque chose. Et là, celui-là, par contre, c'est du papier double. Voilà. Celui-là, je le connaissais pas. Je me disais, mais ça me dit rien, ce papier. C'est très, très joli. J'aime bien. Voilà. Ensuite, elle m'a mis des stickers. Alors, ça, c'est une planche entière. Elle l'a découpée, en fait, pour qu'elle puisse me la mettre dans la Happy Mail. Donc c'est la même planche. Voilà. Licorne et gourmandise. Mais sinon c'est la... ouais, ça fait partie de la même planche pratiquement. Voyez. Très très jolie. Et elle m'a mis cette planche-là de la main. Donc du coup, les stickers Lama que j'ai, je vais les rajouter à ceux-là que j'ai récupéré. Donc ceux-là, je vais les mettre comme ça. Comme ça, après, je les réutiliserai. Je suis contente de cet envoi également. Tout est très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais tout remettre dans son enveloppe et je vous reprends pour le dernier envoi, donc qui me date du 6 avril. Voilà, donc à de suite. Donc voilà la dernière. Donc ça me vient de Sabrina S. Sur Insta, c'est Fenara03. Voilà. Alan Chen, je crois, mais je sais plus, il faudra que je vérifie. Et son compte Facebook, je sais pas si je peux le donner comme ça. Donc voilà. Donc je vous montre ce qu'elle m'a mis dedans. Elle m'a mis un joli petit pochon comme ça. C'est les pochons qui viennent de chez Action. D'abord, je vous montre. Elle n'a pas mis de carte. Bref, je vais donc du coup commencer comme ça, sans carte, parce qu'elle n'a pas fait de carte.
À moins que. Je sais pas. Alors, on va commencer par ce pochon. Donc, elle m'a mis une jolie planche de stickers Puffy vintage et shabby. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Shabby vintage en fait. Du shabby, mais aux couleurs vintage. Voilà. Elle m'a également mis. Fleurs en résine, j'aime beaucoup ces fleurs de chez Action. Voilà, j'avais acheté les mêmes, je voulais en reprendre lundi quand j'étais à Action, le lundi 8 avril. Elle m'a également mis du ruban qui vient, je pense, même sûr, qu'il vient de chez Action. Voilà, j'aime beaucoup ces rubans. Moi, chaque fois que j'y vais, je les trouve jamais, ces rubans. C'est, vous savez, les boîtes rectangulaires où il y a tous les rubans, où il y en a plein dedans comme ça. Je les trouve jamais. Et ensuite, elle m'a mis des stickers mousse ou feutrine, comme vous appelez ça quand vous voulez. Pour moi, mousse, feutrine, c'est kiff-kiff. Elle m'a mis plein de papillons de tailles différentes. Et elle m'a. Bon, là, il y a encore un papillon comme ça de cette couleur. Et il y en a un autre couleur turquoise. Et elle m'a mis. Dans le même esprit, des fleurs, voilà, de différentes tailles, de différentes formes, de différentes couleurs, voilà. Donc, je te remercie pour ces petits stickers et le ruban et les fleurs en résine, comme ça. Ensuite, dans cette jolie carte, carte pochette, ou carte loaded envelope, comme vous voulez, ou flipbook. Voilà, c'est un petit flipbook. Voilà, à l'intérieur, comment c'est. Là, il va falloir que je le recolle parce que la pochette, elle s'est décollée. Ça, encore, c'est pas grave. Elle m'a mis des sequins, papillons, cœur, étoile. Voilà, il y en a plein. J'en avais déjà reçu des fleurs comme ça avec les papillons. Donc, je vais les mettre avec les autres dans ma grosse mallette. Elle m'a mis du washi, du joli washi printanier. J'aime beaucoup. Et l'eau, des trèfles et des fleurs. Ensuite, elle m'a mis des capsules altérées shabby. J'aime beaucoup. Je suis désolée du reflet. Je vais peut-être les lever du sachet pour vous les montrer mieux. Très très joli. Je vais le remettre dans son sachet. Et je vais le remettre là. Voilà, après je vais faire pareil, je vais remettre tout dans la pochette là. Ça sera plus simple après pour moi. Après moi, les petites pochettes comme ça, je les réutilise pour vous mettre des petits trucs aussi dedans et vous faire les envois. D'ailleurs, j'en ai racheté deux paquets comme ça, rose et bleu. Vous allez le voir dans la vidéo haul action quand elle sortira. Normalement, elle sort demain, donc le vendredi 12. Vendredi 12 avril. Donc voilà, j'espère que ma vidéo va vous plaire.
Ensuite, elle m'a mis des stickers comme ça pour le comment ça s'appelle? Les planeurs, les bullet journal, tout ça, les traveler notebook. Alors attendez, peut-être voilà sur un papier. J'aime beaucoup. Ensuite, elle m'a mis des stickers comme ça, shabby et vintage, dans le même esprit que les premiers que je vous ai montrés qu'elle avait mis dans sa petite, sa mini, son mini flipbook. Voilà. Elle m'a également mis des stickers comme ça. Je suis désolée, j'ai ma vidéo qui a coupé, donc j'étais en train de vous présenter cette planche de stickers. Voilà. Très jolie, j'aime beaucoup, voilà, c'est sur le thème de l'amour. Après, il y a celui-là que j'aime moins. J'aime pas trop ce genre d'écriture avec les couleurs qui partent en fond comme ça. Mais sinon, tout le reste me plaît beaucoup. Et elle m'a mis du papier comme ça. Alors c'est du papier papier brillant, enfin du papier glacé, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à l'ATC que j'ai réalisé avec les Daikes de chez Toga. J'ai utilisé du washi à peu près dans le même esprit. Voilà, il y a cette feuille, j'aime beaucoup cette feuille. Elle est vraiment très très belle, j'aime beaucoup. Surtout que moi j'aime beaucoup les étoiles et les cœurs. Là, les cœurs, très jolis aussi, j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, on dirait que ça a été fait sur du papier photo. C'est très joli, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai celle-ci qui est très jolie aussi. Alors, par contre, voilà, ma vidéo est finie. Je ne sais pas si je vais encore recevoir quelque chose aujourd'hui. Donc, je verrai au courrier de cet après-midi. Enfin, normalement, mon facteur, il vient le matin. Mais je récupère, enfin on récupère les courriers l'après-midi. Ah, j'ai oublié de vous présenter ce papier-là aussi. Voilà. Donc je verrai cet après-midi si j'ai reçu quelque chose. Là, j'avais reçu une enveloppe surprise qui vient de la part de CAX. Donc de CAX 74. C'est Karine. Donc, au pire des cas, je vous présenterai si j'ai quelque chose cet après-midi. Je vous ferai la vidéo. Par contre, je vous garantis pas que la vidéo sera postée aujourd'hui. À voir. Ou alors, si je vous la filme, si je vous la poste, je pense que je vous la posterai en vidéo bonus pour dimanche. Ou samedi ou dimanche, voilà, la vidéo elle sera postée ou samedi ou dimanche. De toute façon, je vous en tiendrai informé sûrement sur Facebook si j'y pense, sur Facebook et sur Insta. Après, s'il n'y a rien, la vidéo sera quand même postée ce week-end en bonus. Donc voilà. Donc je vous dis à toutes, bisous, salam, bye bye.